There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Project Zomboid avec ce coup-ci toujours Gordon Ramsay. Salut Seb. Salut, bonjour tout le monde et bonjour Gordon Ramsay. Et donc, accompagné de Gordon Ramsay, ce coup-ci, on a Valérie D'Amido. Vous voyez, c'est moi là. Alors bon, j'ai créé une menuisière. Je voulais pas montrer sur l'écran de création. Elle est très sexy, franchement. Ouais, t'as vu. pourtant, j'ai le trait surpoids. Hein. Ça n'a rien à voir avec... Non, madame, vous êtes parfaite. Enfin, voilà. Je vais pas passer mon temps à draguer, sinon ça va être dégoûtant. Non, dégueulasse. Non. Très bien, bon, donc moi ce coup-ci on va essayer de mieux jouer parce que la dernière fois on avait fait vraiment n'importe quoi. Ouais, on va dire que c'était de la découverte. Voilà, c'est ça, on va essayer de survivre. Donc là on est. Qu'est-ce qu'on fout dans une chambre? Oui, voilà déjà. C'est passé des choses. Alors. Je t'ai montré ma spatule. Je vais essayer d'ouvrir. Ok, non, c'est bon, là y a rien. D'accord, on est à l'étage là, il me semble, oui. Ouais, alors on est. Non, on est au rez-de-chaussée parce que je vois. Y a rien. Ok. Alors on va essayer de sortir, on va essayer de survivre pour la de porte vrai. Est ici. Ouais. Hop. Attends, je ferme les rideaux. Voilà, je vais fermer les rideaux. D'accord. Je n'ai pas encore parcouru complètement la baraque, donc. Alors si là, on peut faire ça ensemble. Alors comment tu verrais la déco de ce salon? Est-ce que tu arrangerais des choses? Ça va être extrêmement relou si on part dans ce rôle-là. Non, c'est pour ça. Expédions ça de suite. Après, voilà, on sera alors, à fond dans la survie. Alors là, je pense que en fait, cet appartement n'est pas si mal que ça. Là, on pourrait peut-être rester ici, en fait. Parce qu'on avait un petit appart. Mais ouais, j'ai pas tout fouillé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à disposition. Je vais mettre une jupe. Attends. Un plein apocalypse zombie, ouais, on peut rester pas... coquette un peu quand exactement, même. Exactement, j'en ai pris 3 même d'ailleurs. Déchirant en tissu, parce que oui, effectivement, parce que quand tu peux prendre du tissu et en déchirer pour faire des bandages ou des trucs comme ça, mettre. Ben, il y a plein de moyens de crafter différents, j'ai vu ça dans les commentaires, vu que moi je découvre le jeu, je crois que la session qu'on avait fait ensemble, c'était ma deuxième fois, je crois, ma deuxième partie, donc. Voilà. Oh, le frigo est très rempli, très fourni. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée de rester ici, je pense. Je vais mettre le pantalon en fait, parce que la jupe, je vais le déchirer en tissu. Voilà, je vais en faire. Je vais demander, au niveau des victuailles, c'est mieux de les laisser dans le frigo ou de les prendre sur soi? Parce que. Parce que le jeu prend en compte le fait que ça se périme, quoi. Oui, donc ça se périme complètement. Il vaut mieux. Laisser dans le frigo. Bah, en fait, je pense qu'on peut considérer qu'ici, c'est notre camp de base, hein, je pense. Le QG, d'accord. C'est les studios pour tourner nos émissions. Voilà, c'est ça. Les psychopathes qui tournent quand même des trucs alors que c'est la fin du monde. Ouais, c'est bien foutu parce que là, on est dans une maison qui est plutôt tranquille. Là, je vois... Fouillons toutes les pièces histoire de voir s'il n'y a pas de zombies du tout. Voilà, attends. Juste, là, c'est bon, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Alors, fais gaffe, les rideaux, il faut toujours les laisser... Parce que ils sont fermés. Ouais, parce qu'on peut nous voir, ouais, effectivement. Attends, il y a une porte là, tu veux pas venir avec moi histoire de. J'arrive. De mourir. Je suis mourir, non mais. Alors attends, je vais juste prendre. Sors de là, la cuisine c'est mon élément. I can't fucking believe it. T'es juste en train de vérifier, de prendre une arme, une fourchette. Ah, évidemment. C'est bon, alors. D'ailleurs, oui. Moi j'ai récupéré une poêle à frire. Oui, voilà, mon inventaire alors, est là. Alors, il y a un rasoir, mais bon, ça c'est. Hop, j'ai des chiottes. Est-ce qu'elle va apparaître? Oui, Gordon Ramsay avec une poêle à frire. Là, il y a un respect. Alors, attends, peut-être qu'on pourrait sortir le corps, histoire de... Non, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Prendre corps? Tu veux que je le... Attends. Ok, je l'ai pris. C'est bon, il n'y a rien à gauche. Je vois pas de zombies. J'ai le cadavre. Est-ce que je le fous dehors? Moi, je l'ai aussi. Alors, est-ce qu'il y en avait deux? Corps. Et je vais le déséquiper. Je vais le jeter là. Comment on fait? Attends. Équipé à deux mains. Et maintenant tu le lâches. C'est toi qui l'as pris? Attends. Voilà, c'est bon. Charge extrêmement lourde, attends. Mais non, c'est bon, tu le lâches, tu fais. Ah, il est d'accord, j'avais pas vu. Tu drag and drop. Pas d'où. Ok, alors attends, moi je vais aller boire un petit coup, excuse-moi. Est-ce que t'as vu un deuxième corps, non? Non, bah écoute, je vais juste aller boire un petit coup parce que j'ai un peu soif là. Déposer. Voilà. Ah, voilà. Boire. Formidable. Aller de garage avec deux cadavres. Alors attends, alors là donc, je pense que ce qu'il faut faire, l'urgence, je vais prendre des chips au cas où. Prenons des rations pour se déplacer. Ouais, ouais, si jamais on est bloqué dehors, effectivement. Moi, je te propose qu'on aille chercher des armes. Parce qu'il nous faut absolument des armes, sinon on va pas survivre très longtemps. Alors. Marmite, fourchette, j'hésite à m'équiper complètement en tant que Gordon Ramsay. T'as une arme ou pas? J'ai la poêle à frire.
Ah, t'as un poulet, attends. Un rouleau à pâtisserie, peut-être. Ah, je vais prendre, j'ai un rouleau à pâtisserie. Je vais mettre ça en arme principale. Sinon, il y a une autre poêle à frire, si tu veux. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus non, efficace. Non, mais je pense que le rouleau à pâtisserie sera mieux, à mon avis. Et je prends un poulet, on le cuira plus tard. Je mange des fraises. Voilà. Donc, j'ai un rouleau à pâtisserie. Putain, on dirait une batte de baseball. Ça va, c'est déjà plus tranquille que le départ précédent. Ah, c'est à la cool, ouais. Y'a personne, hein, pour l'instant. Alors, attends. Là, y a du monde. Y'a que des macabées. Moi, je vois pas. Je vois aucun zomblard. Hein. Attends, voyons. Là, y'a... Y'a des clés, là. Attends, voyons. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah, un magasin. Ça, c'est cool. Ouais. J'espère qu'ils vont pas se relever. Je vais prendre un cornetto. Ah, j'ai trouvé les clés de la maison de Bruce Jackson. Je pense que c'est peut-être... D'accord. Bandage sale. Apprendre à... Mardi, il y a plein de bouffe aussi ici. Alors, ouais, là, bah, on est carrément dans un store. Attends, est-ce que je me charge pas trop? Non, c'est cool. Comme ça, je les ramènerai au frigo à la baraque. Je mange tout ce qui passe. Une banane, tu manges une banane. Tu vas transformer en Valérie Damido pour le coup. Un poivron. Bonbon à la menthe. Une tomate. Attends, allez, je mange une petite pastèque là, vite fait. Une bouteille de sauce. Prendre une bonne demi-bouteille. Je me suis trompé, j'avais soif. Allez. Attends, je sors dans la cour extérieure. Non, il y a rien. Très bien nourri. Je suis très bien nourri. Non, y a de moutons, je vais prendre ça. Il y a du sang partout, c'est hyper glauque. Y a ah, si, il y en a un. Bah, bouge alors, parce que pour l'instant, on n'a pas de quoi le tuer, je crois. Ouais, non, je vais pas tester la poêle à frire. Fermons ça. Voilà. Alors, quelle heure okay. Il est? C'est 16h20. L'heure de manger encore. Un petit goûter. Je me suis enfilé une pastèque, un poireau et... Ah, attends, là, il y a des trucs, t'es où? Je suis à côté de toi. D'accord, je te vois pas. Oui, ok. Alors, okay, attends, on va peut-être regarder par la fenêtre. Il faudrait que je trouve un couteau ou un truc comme ça. Par la fenêtre, je vois rien. Là, c'est ouvert. Attends, on y va. Tranquille. Attends, je regarde toujours par les fenêtres au cas où. Y'a personne c'est au bon. Salon. Est-ce que je peux jouer du piano ou pas? Y'a rien, c'est bon. Et à l'arrière, qu'est-ce que c'est? Y'a un étage. Un pull au vert, peut-être je vais le mettre. Écoute. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai entendu. C'est toi qui a poussé ce râle. Non. Alors couteau à beurre, couteau aiguille. Je le vois pas, je vais sortir parce que. Contourne la baraque. T'es rentré ou t'es à l'extérieur? Je suis derrière la maison, je suis là. Ah, t'as une batte, cool. Non, c'est pas, c'est un rouleau à pâtisserie. Ah, oui, il y a une batte. Oui, bah oui. Alors... Early access. Il y a un couteau et puis il y a... Ah, effectivement. Voilà, enlever herbe, qu'est-ce que... non. C'est des sacs, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, des sacs en plastoc. Ah non, c'est une truelle, merde. Sans cas plastique. Ouais, sans cas plastique, ça peut servir, hein. je vais en prendre 4. Ah, on se fait gros, de dos. Ah, effectivement, waouh, il est speed. T'es sûr? Allez. Ah! Tiens, prends ça! Sale pute! Non, mais c'est à moi que tu me tapes là! Tiens! Attends, y'en a un autre qui arrive. Bouge! Voilà, là il est achevé à la poêle. C'est on bon. Le fait, on se le fait aussi ou quoi? Ouais, on va essayer de le ceinturer. Allez, vas-y, tactique vas-y. De l'éperviller. Allez, tactique de. Vas-y, chope-le! J'ai raté! Chope-le! Peu! Tiens, peu. Obama! Tiens, ah, salopard! Voilà. Là, il y a de la strat! Voilà! Vas-y! J'ai fait un petit Atsumaki, j'ai tourné sur moi-même. Oh! C'est bon, là, on maîtrise. Là, c'est, là, voilà. je crois que l'apocalypse. Là, voilà, on a. Oh! Non, ça on va... pue! Non, on a trop parlé. Je pense que. Attends-moi! Allez, non, ça va, on a séché. Ils vont vite en plus, oh, les salauds! Ouais, ils vont vite. Ouais. On retourne à la baraque ou ouais, qu'est-ce on fait va retourner à la baraque, écoute. J'aurais bien peu faim, moi. Trouver une vraie arme, je t'avoue. Ouais. Ah, ouais, non, là, il commence à sortir. C'est 19h, il n'y a pas. Est-ce que c'est parce que c'est la sortie des classes? Je sais pas. Je sais pas, ouais. T'es où? T'es derrière moi? Ouais, c'est l'heure de bosser, fallait bouffer du cerveau, là. Écoute, la nuit va être tendue. Ouais, je te propose. Tu veux pas aller fouiller cette baraque? Moins visible. Attends, on l'a faite celle-là? Je sais plus. Non, mais. Ouah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Attention, t'es juste à côté! Ah merde, ok, d'accord. On retourne à la baraque ou pas? Attends, vas-y. Mais on va se le faire parce que sinon il va taper à notre porte. D'accord. Ah! Ouah, de il est rapide! Ouah! Tiens, je m'occupe de. Ah!
Attends, il faut que je... Non, il y en a encore un. Il y en a encore un. Ah, il faut fuir, il faut fuir. Non, non, fais pas ça. Allez, mais... Ah. Ouais, fuis. Attends, allez, Gordon. Attends. Il faut les tuer parce que c'est le problème. Après, ils vont taper à notre porte et ils vont attirer tous les zombies du quartier. Ah merde. Vas-y, il faut les tuer. Reviens vers le... Je suis rentré dans la barre et je sors. J'ai le premier. Peu. Non, raté. Ah, salope. Attends, je mets en joue, je les cross up. Voilà. Allez, mais la tactique de l'épervier. Ah. Allez. Voilà. La marmelade, elle est bonne, la marmelade. C'est vraiment de la merde. Donkey. Putain, ton porc est tellement mal cuit qu'il chante encore Hakuna Matata. C'est pourquoi voilà. Le doute est plus efficace que moi avec une poêle à frire, ça veut rien dire quoi. Ouais, je suis fier de mon arme. Il y avait un troisième, je sais pas où il est, Zozo. Chemisier, pantalon, elle a rien du tout sur elle. Écoute, je te propose la nuit tombe, je te propose qu'on rentre. Tu veux pas buter l'autre parce qu'il y avait un troisième? Bah écoute, s'il nous a pas repéré, il tape à la porte. Je sais pas. Je prends le yo-yo, un objet secondaire, ça va peut-être servir. Si, il y a quelque chose qui tape à la porte. Attends. C'est peut-être le Père Noël. Il est... J'entends des grelots sur son traîneau. Attends, parce que l'autre il était derrière. Il tapait la porte de derrière. Il y a une porte derrière? Ouais. Sérieux? J'aime pas. Bon, on va vérifier devant. Attends, écoute. Oui. Ah, mais il y a une porte derrière et elle est ouverte. J'ai ouvert, il est rentré! Mais il est rentré! Là, faut le finir. Je vois rien. Faut le finir. Il est mort, je crois. Ouais, c'est bon. Là, faut fermer. Bon, c'est bon. Voilà, bien. C'était lui, en fait. Très bien. Bon, moi, je prends ce lit pour pas prendre l'autre. Mais il est plus grand, là, de toute façon. Voilà. Hop, c'est un lit de place, tu ne vas pas... Et donc, nous revoilà. Le jour est en train de se lever doucement, je crois, il me semble. En tout cas, je crois que ça s'illumine dehors. Ouais. On se lève à 4h, mais bon. Je sais pas, c'est toujours la nuit en tout cas. Ouais, voilà, effectivement on peut pas dormir. Je crois que toi t'es en pleine batterie, tu m'as dit, pendant ce temps. Ah non, mais je suis en train de collectionner là, déjà j'ai la dalle. Je suis écœuré, je meurs d'ennui, grosse dépression et je suis soucieux. Donc est-ce que tu aurais une lame de rasoir pour que j'en finisse là? Parce que c'est pas possible. Je crois qu'il y en a une dans la salle de bain au pire. Ah, formidable. Formidable. Très bien, excuse-moi, je reviens. On peut pas utiliser le four, on peut pas le faire fonctionner, il manque. Il faut de l'électricité, non pour le... Alors, je sais pas, le four, moi dans les vieilles versions de Zomboid, quand j'avais joué, effectivement, il suffit de faire glisser les trucs à bouffer pour les faire cuire, mais là j'y arrive pas, alors c'est peut-être parce qu'il y a pas d'électricité. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est ouvert? Pourquoi je suis soucieux? Qu'est-ce qu'il y a encore là? Le jeu de la dépression, quoi. Ah, mais grave, quoi, putain. Manger. Attends, t'as un livre si tu veux le bouquiner. D'accord, ça peut faire partir la dépression, ça, ou pas? Tout dépend de la qualité du livre. Ouais, alors putain, moi par contre j'ai la nausée. Mais il faut que je lise! Je suis triste et je suis soucieuse. Je sais pas pourquoi. Je lis le journal. J'ai lu un livre et j'ai fumé des clopes, qu'est-ce qu'il te faut de plus, quoi? Oh, on se revient dans un film d'auteur français, là, ça veut rien dire. Non, mais en fait, non, ce livre c'est pour apprendre des compétences, je crois. Attends, coup, moi j'ai le jardinage pour les nuls, je vais dire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je te propose de sortir et d'aller fouiller pour trouver des armes, en fait. D'accord, attends, et je suis trop lourd, en fait, là, j'ai pas pris de... Pourquoi t'as enlevé ton pantalon? J'ai pas fait exprès. Je sais pas, mais non, attends, il me proposait de... Attends, mais il pleut. Attends, t'as déchiré ton pantalon? Ah, c'est peut-être le mien que j'ai déchiré, alors. Mais t'es con. Et j'en ai trois, en fait. Ah, voilà, j'ai un nouveau. Mais il reste des jupes, au pire, vas-y, enfile. Ah, je peux ou pas? Je sais pas, essaye. Je sais pas, hein. Est-ce qu'il est écossais, Gordon Ramsay? Vas-y. Ça serait les... T'as foutu un pantalon. Ça serait les... On ouvre. Eh ben, il fait putain, jour zombie, à 6h20 zombie, du zombie. Mat. Ouais, je vois. On zombie, se met en joue. Deux. Ouais, y'en a deux. Deux. Tactique de l'épervier. Ah, j'ai raté. Ah, tiens, madame. Tiens. Voilà, à moi. Prends ça. Voilà, je fais un coup de main. Voilà. Il a pas c'était il fort a pas collectif pas dans la voilà. Violence. Yeah. C'est ça. Très bien. Comme ça, quand tu le meurtre. Yeah. J'étais sous ma mort. Là, je vois une cabane un peu plus loin. Ouais, il y a du sang partout. Où il y a du sang partout, effectivement, on peut aller voir. S'il y a du cabane avec du sang partout, ça veut dire qu'il y avait peut-être des survivants. Et s'il y a des survivants, ça veut dire qu'il y a y avait... des ressources. Ouais. Il y a des ressources, exactement. Ou des mecs qui vont nous tirer dessus. Ça. Putain, j'aurais dû me décharger parce que j'ai... Tu bois un grand verre de lait, par contre. Couteau à beurre cassé. Quand on a la nausée, de boire une bouteille de lait en entier, c'est parfait. Exact.
Ok, j'ai pris que le ruban adhésif, j'ai pas pris la bouteille de propane. Ouais. Je pense que je vais trop charger. Je suis déjà chargé. Je suis déjà chargé, moi aussi. J'ai encore la dalle, mais je vais manger. Attends, j'ai une côtelette de porc dans la poche. Je vais manger. Allez, bouffe pas, ça crue. Non, je sais. J'ai un oignon. Je vois rien. Je vois rien par la fenêtre. J'essaie de faire le tour pour voir. Ah. Bon, j'ai tous mes oignons crus, j'aurai une bonne haleine dégueulasse. T'es passé où? T'as fait le tour? Je regarde à l'intérieur s'il y a... Je vois un cadavre à l'intérieur, en fait. Y'a rien, je pense qu'on peut essayer d'ouvrir. T'es rentré? Ouais. Waouh. Ah, c'est les chiottes. Y'a quelque chose dans les chiottes? Est-ce que je peux boire? Y'a un mort dans les chiottes. Remplir bouteille vide, très bien. Est-ce que tu trouves des trucs? Fourchette, javel, pâté pour chien, sac poubelle, torchon, sac de blé. Là, je bois l'eau des chiottes. Je prends le chocolat. Là, il y a des clés cheloues. Nouilles instantanées. Je prends la nouille instantanée. Richard Harris. Attends, il y avait un meuble. Attends, j'ai pas fouillé ici. Ah, voilà. Oh, il y a plein de trucs. Bouteille de désinfectant, bouteille d'eau. Ah, t'as trouvé des balles de 9 mm. Oh, cool. T'as une arme? Non. Mais ça peut servir. Ah, je vais être super chargé, quoi. Ouais, c'est pareil. Désinfectant, chemisier. J'essaie de faire cuire une côtelette pour voir, on sait jamais. Plateau repas. Des somnifères. J'ai envie de tout prendre, en fait. Oui, parce qu'effectivement, on découvre le jeu, hein, on précise, mais on sait pas tout sur le jeu, justement. Tout l'intérêt, c'est de découvrir les choses au fur et à mesure. Il pleut, va falloir bouger, je pense. D'accord. Bah, je prends tous les somnifères. Vas-y. Comme ça, si on en prend beaucoup, on peut suicider, tu vois, si on est vraiment triste. Hein. C'est bien, t'es relevé. Oui, complètement. On continue par là ou j'aimerais bien. Attends, je crois que je vois un truc là même. Je pense que ça doit être un couteau ou un couteau à beurre à mon avis. Parce qu'on dirait un gros machin. Fabriquer une corde de drap. Putain, mec, il a envie de se pendre. Je me suis mis torse nu. Attends, il y a un crayon, je vais prendre un crayon. Je suis dans le jardin là pour l'instant, il y a que dalle. Non, mais quelque part, bon, on se fait chier, mais au moins on est vivant. Oui. Fabriquer des draps, non, déséquiper. Je suis de la maison juste à côté. Hein. Mais remets ton pantalon, s'il te plaît, Gordon. Ça n'est pas correct. Pâté pour chien, bon, ça j'ai pas besoin. Il y a un coffre là par contre. Je suis nauséeux, grosse dépression, stressé. Ouais, mais moi aussi. Moi, je suis malade. Ambiance. Ah ouais? Ouais, je suis malade moi. Mais c'est quoi, à cause de la pluie? Non, je sais pas, enfin. J'ai les somnifères, hein, si tu veux te suicider. T'as voyant. Merci, c'est sympa. Talent, info. Allez. Surpoids. Non, je suis malade. C'est quoi ce meuble? Est-ce que je peux. Je sais pas. Conteneur. Ouais, c'est peut-être parce que je me suis gavé de bouffe, quoi, comme un cochon le premier jour. Quoi. Tout mélangé, quoi, le cru, le pas cru. C'est pas, je me suis dit, bon, une petite pastèque. Mais là, t'aurais pas des trucs, t'as pas des médicaments, t'as ramassé des médicaments? Non, j'ai... Il y avait du désinfectant, je sais pas si tu l'as récupéré. Tu crois que si je bois du désinfectant... C'est jamais. par contre, tout est pourri, là. Tout ce qui est au frigo, c'est pourri, là. Ah ouais, donc c'est pas une bonne idée de les laisser au frigo. Pourri, petit pois pourri, radis pourri. J'ai faim, bah je vais manger le jambon. Putain, je suis malade, comment... Ah, vas-y, je vais pas mourir d'une gastro, quand même, c'est vraiment c'est vraiment Valérie D'Amido nous a quitté d'une chiasse foudroyante. C'est ça, c'est vraiment la mort la plus conne. Gordon Ramsay qui arrête pas de perdre ses amis. Le premier s'est fait bouffer, le deuxième il a trop bouffé. C'est pour ça que je suis un mort dépressif en fait. Non, c'est à cause de moi. Jardinage pour lui dans un conteneur. Tac, attends, je vais mettre tous les somnifères aussi. Voilà. Ah mais du coup effectivement on aurait peut-être dû consommer les trucs il faudrait virer ce corps là. Attends, je vais mettre, tu sais quoi, je vais jeter prendre, hop, je prends tout ce qui est pourri, hop. Ah, je suis enfin rassasié, moi je suis content. Courgette, elle est pourrie, ça pourrit vraiment vite, hein, quand même. Pourri pas que de là, une journée quoi, franchement. Ouais, grave, tête de péremption, putain, merci les gars, je jette tout. Je balance tout ce qui est pourri dehors là. Instantané, œuf pourri, pack de lait pourri, des petits pois pourris, un plateau repas cru, bon ça c'est bien. Un poivron frais, ok, j'ai un poivron frais, j'ai une pomme pourrie. Ok, 6,25 sur 11. Un radis pourri, un raisin pourri.
Mais merde! Comment ça, le fiévreux? J'ai grande chance de mourir! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Merde, mais t'es où? Ah, je suis là! Je suis là, c'est parce que j'ai mangé du. Attends, on va pas se quitter comme ça, on va essayer de te sauver. Il faut finir sur cette note. Le sauvetage de Valérie. L'inspection médicale. Tu peux pas faire une inspection médicale? Oui, j'avais réussi. Oui, inspection médicale, effectivement. Vas-y, dis-moi ce que j'ai. En tant que cuisinier, je peux faire un très bon diagnostic. Alors, JDG, health, ok. Alors, petite blessure, bah ça va. Tu vois, attends, si tu crèves de ça, franchement, ta barre de vie est un peu baissée, effectivement, je crois. Attends, voilà, je vais m'inspecter médicalement moi-même pour voir. Blessure anecdotique, ça va, tu sais. Ah, je suis en train de mourir. Ouais, mais je suis déprimé, c'est peut-être ça aussi. Mais fume. Attends, parce que si je fais si j'utilise un tissu de tissu déchiré. Non, je peux pas. Ah putain, je vais pas mourir d'une chiasse quand même, quoi. Mais t'as vraiment un truc à macaron, enfin une icône avait marqué Une icône de caca. Non, j'ai pas ça. Non. Non, mais il y a marqué fiévreux, grande chance de mourir, quoi, ta sœur, quoi. Les termes. Mais ah oui, ta barre a baissé, ouais, par contre. Mais ça veut rien dire. Ah, elle vient de baisser en live en plus. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça veut rien dire. Mais c'est quoi ce jeu du nazisme de. Ah non, vous avez survécu trop longtemps là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est n'importe quoi, comment je peux mourir? Je vais pas mourir parce que j'ai bouffé une pastèque, quoi. Non, et ouais, ça arrête pas de descendre crescendo. Attends, faut trouver un truc, la merde. Blessure mineure. Attends, mais merde. Le désinfectant, il faut aller chercher le désinfectant. Soigne-moi, fais quelque chose. Je vais pas te perdre comme Bears Grylls. Ok, je cours dehors, je vais chercher un médicament. C'est Maggie quoi, avec Charles Schwarzenegger quoi. I need a medicine for my daughter. I'm gonna save you. Mais c'est n'importe quoi. je vais mourir alors que je me suis même pas fait. Alors qu'on a buté tous les zombies qu'on a croisés quoi, putain. Mais oui. C'est pas possible. Attends, merde, où était cette petite cabane en bois? Là-haut? Va chercher des médicaments. J'y vais. Je vais chercher des médicaments pour ma femme qui est malade. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Putain, j'ai des blessures. Mes os sont en train de fondre, ça veut rien dire. Ce jeu ne veut rien dire et j'ai ma barre de vie, vous la voyez ma barre de vie qui est là. Moi je l'ai perdue, je l'avais affichée mais ouais. C'est en train de dégringoler. Papa, ramène-moi. Va chercher des médicaments dans la montagne. J'arrive. Je vais prendre des planches aussi, on sait jamais parce que j'ai besoin de la fleur qui est en haut de la montagne. Seule elle pourra me sauver. Est-ce que je prends les clous, les planches et tout au cas où je fabrique un cercueil parce que si le let's play Project Zomboid de Fred et Seb, chaque épisode Fred meurt. Tu es le Kenny de cette de ce playthrough. Je vais tout prendre. Si je mange. Si je mange, quand l'appétit va, tout va, on sait jamais. Exactement. Astérix et Obélix, formidable, ils avaient raison. Mange, ouais, voilà, fume, bouffe. Fume, mange, caca. Ok, désinfectant, bouteille d'eau, j'aurais pas mieux, je suis désolé. Oh là là, mais c'est pas vrai, je vais mourir, je sais même pas de quoi, bref, blessure critique. C'est peut-être une infection, hein, je pense que le désinfectant, enfin, je mise tout là-dessus en fait. Vas-y, attends, inspection médicale. Tac, Attends, je vais boire un coup. Attends, ne bouge pas. 20h, la nuit qui tombe en plus, ah, ça veut rien dire. Inspection, ne bouge pas. Donne-moi, je mange une tarte. Ne bouge pas, Tac, allez. Waouh, blessure critique, comment t'as fait? C'est pas possible. Je sais pas, tu passes de blessure mineure à critique, quoi. Je suis bien nourri, je suis assoiffé, mais non, ça peut pas être ça, je vais boire un coup, je vais boire de l'eau, c'est... Attends, j'ai fait un drag and drop, est-ce que je suis en train de tout faire tomber par terre ou... Comme une merde. Tasse vide, je vois rien. Est-ce que t'as du désinfectant dans ton inventaire, là? Bouteille de désinfectant, oui, en prendre un, prendre la totalité, hop. Essaye. Attends, bouteille de désinfectant. Merde, ouais, bouteille de désinfectant, utiliser, désinfecter, tissu déchiré, one. Voilà. Très bien. Bois tout, fume. Alors, chiffon stérilisé, mettre un objet principal. Comment on fait? Comment on se soigne dans ce jeu de merde? Déséquipé, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, je suis en train de sniffer du centre. j'ai un briquet, je peux éclairer. En train de sniffer du synthol pour me soigner et fumer des clopes. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas ce que j'ai. Attends, c'est moi? J'ai des blessures légères maintenant.
Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous déteste. Dieu n'aime pas les héros de la télévision. Qu'est-ce qui se passe? Merde, file-moi du désinfectant. Je vais le chercher pour toi. Et on se combat tous les deux à coups de poil à frire. Écoute, j'ai jeté le désinfectant par terre. Lourde charge. J'ai le fardeau du monde sur mes épaules. Alors. Je vais aller boire dans les chiottes, ça ne peut qu'aller mieux. Alors, désinfectant, très bien. Boire. Voilà. Charge assez lourde. Alors, je n'ai plus soif. Je suis toujours dépressif, par contre. Oh là là. Bon, écoute, je ne sais pas. Écoute. J'ai pas de chiffon, t'as un chiffon stérile, toi, pour sniffer? Tu prends un vêtement et tu le déchires, en fait. Ah, très bien. Très bien, très bien. Je vais écrire sur un calepin vide. Alors, attends. C'est la merde. Et moi je suis torse nu devant le miroir, c'est pour rien dire, c'est complètement fou. Mais je sais pas pourquoi. Signé Valérie D'Amido. Voilà. Tabesta. Mais sur ses verres, mais merde. Tabesta qui te kiffe dans la nuit de Paris. Voilà, c'est très bien. Ils font stériliser. Je vais mourir, je vais bientôt mourir, je suis fiévreux, je suis malade. Attends, je crois que ma vie remonte. Blessure très sévère. Je sais pas ce que j'ai. Écoutez, on va vous laisser sur ce terrible suspense. Exactement. Est-ce qu'ils vont survivre? On verra ça la prochaine fois. Bisous à tous. Ah non, je crois que mon état s'améliore. Je suis passé de malade à nauséeux. D'accord. C'est peut-être que. Je sais pas, j'en sais rien. Moi j'ai toujours des blessures, je sais pas comment faire. Mais écoute, non, c'est ton tour, je t'ai refilé ma gastro. Oh, mais non, ouais. Je suis allé te sauver, je suis allé chercher du désinfectant pour toi, mec, putain. Bah écoute, je sais pas. Allez, bisous à tous, salut, et à la prochaine pour la suite de ce fantastique let's play de Zomboid Gastro-entérique. Exact. Bisous.